En fait, je suis venue à l'université d'été parce que il y a différents ateliers qui parlent de plein de sujets différents que je ne maîtrise pas et que je pense qu'en tant que communiste, il est important de toujours s'informer, de toujours débattre et aussi de l'importance du savoir parce que quand on doit militer, ben, il faut être le plus calé dans les différents sujets, aussi pour convaincre, mais aussi pour soi-même. Et la question du savoir, quand on milite, elle est très très importante. Et surtout qu'on a une actualité qui bouge tout le temps, on est soumis aussi à plein de différentes pressions. Et puis aussi tout l'impact de l'idéologie dominante. Donc c'est très important de toujours réactualiser sa pensée, de l'enrichir. Tous les militants ont des choses à dire, à transmettre. Moi, sur des questions sur lesquelles je travaille, notamment sur la question de l'antiracisme, sur les questions de travail, justement, de comment on arrive à vivre ensemble dans différentes cultures. Moi, je travaille sur ces questions-là et je pense que je peux apporter aussi aux camarades. Et il y a des camarades qui peuvent m'apporter aussi sur d'autres sujets. Et je pense que rien que le fait qu'on puisse mettre en commun la manière dont on milite, les difficultés qu'on peut avoir et aussi sur plein de sujets sur lequel on se questionne, et ben on s'enrichit. Et je pense que on s'apporte et ça nous permet d'être des meilleurs militants au quotidien. Il y a eu un atelier en particulier qui m'a beaucoup marqué sur les défis de l'antiracisme au XXIe siècle. J'ai appris qu'on avait beaucoup de boulot sur cette question-là, de recherche, que la sociologie moderne elle a avancé sur ces questions-là, et que nous, on a aussi des positionnements à travailler. Et ça, oui, ça m'a beaucoup apporté, surtout d'avoir... on a des universitaires qui viennent et qui nous mettent à jour sur la science, sur la recherche à ce sujet. Et oui, j'ai appris et je suis contente d'être venue.